Nettoie ici. Parce qu'on est au travail là. Pipi, tu sais. D'abord, on va parler calmement. J'ai ma connexion. J'ai la connexion. Pipi, peut-être regarder une chose. Regarde-moi très bien. Tu sais où je connais Otam. J'ai grandi avec Otam. Toi, non. Tu sais qui est ce mec? Tu sais qui est Otam? Tu sais que tu as dit, tu es mon mari. Otam a tué au Cameroun. Lui, il a la main que dès qu'il tape, tu meurs. Il a tué, il a fui. Il y a deux. Il y a l'autre que je ne vais pas prononcer son nom, Otam. Il a fui, il est parti. Paris dansé. Ce qui est marrant, c'est que quand je vous parle, je vous dis que cette énergumène, quand moi, je l'ai connue, parce qu'elle lavait mes slips. Oui. Elle marchait comme une junkie, parce que moi, j'allais en boîte. Lolo, tu penses que tu étais en boîte avec bonjour? Jamais. Tu marchais avec Frédéric, l'enfant de ta Julie, une femme bagatée qui a vécu ici en Europe et qu'on a rapatriée, et qui fumait tous les gays. Et nous, on louait à côté, là. Tu parles de qui? Tu as approché Mathilde Brun, que tu veux travailler, est-ce que vous faites le ménage? Et moi, j'habitais à l'hôtel Bénin Tapis, là où nous, on mettait les trucs comme ça. On habitait, nous tous, avec les Fabiennes, les Fabiennes. Fabienne qui est morte, la belle femme qui est morte là, la mannequin qui est morte là. On a plus où? Tu parles de qui? Tu parles de qui? Je n'ai jamais été en mode avec toi. Je n'ai jamais fait la pute avec toi. Non. Tu errais à quoi? Comme un mauvais esprit. Oui. Tu étais en mode avec mon jour. Tu étais loulou, celle qui. Tu étais la junkie de. Parce que je n'ai jamais été pas avec toi. Comme je l'ai dit, tu as lavé mes slips. J'ai habité l'hôtel Bénin Tapis. Avec les carottes et toute la bande. On était là. Et Mathilde Blanc habitait encore où? Avec Panda Omnisport. C'est moi qui dis à Mathilde Blanc que, mais tu travailles ici à quoi? Il y a un carabot ici. Viens pas, t'as pas de carabot ici, tu viens rester ici comme tous les filles font là. Moi j'étais, moi, notre belge, 2000 francs, je m'en foutais, je dors moi là-bas, 2000 francs. Nous, on s'en foutait. On était les filles de famille et tout ça, on venait et tout ça. Tu me parlais, toi. Là, maintenant, comment tu veux que je dis alors? Je vous dis qu'au nom de Dieu, Lolo n'a jamais été dans les boîtes avec moi. Je l'ai connu en train de pallier. Tirer la serpillière. Je m'a dit, je dis à Mathieu, mais c'est vrai que je la vois un peu traîner partout. Pourquoi ne viens pas avec nous? Mathieu m'a dit que non, c'est une jonquille. Tu as supplié Mathieu. Et c'est moi qui quitte fait. Parce que quand j'arrive à quoi tout ça, je cherche ma communauté. Parce que quand j'arrive quelque part, je cherche sa communauté. Je tombe sur Mathilde. Oui, je commence à raconter avec Mathilde. Elle m'amène dans les boîtes et tout, et tout, tout. Et tout. Tu parles de quoi? Je t'ai jamais vu dans aucune boîte. Même ici à Paris, tout le monde allait à quelle boîte ici à Paris? Tu es là quand ça m'avait moi. Tu es là l'équipe de nous, tu allais où ici? Même mon Fouquet savait moi, même mon truc savait moi, jamais. Il faut arrêter, hein. Tu parles de ma vie, tu parles de ma vie, comment on raconte les réseaux sociaux. Mais moi, je peux parler de ta vie parce que tu étais sur le baptême. Au terme, quand tu dis que j'ai raconté au terme où? À Château Rouge, moi aussi. Moi, la fois, j'arrive. Jamais. Tu as toujours couru derrière Stéphane aujourd'hui. Ramperant est parti. Et tu es resté seul. Sans rien, sans but. Moi, je suis seul. Moi, j'ai quand même quelque chose. Et non, oui. Mes enfants, toi tu as quoi? Tu veux juste te mesurer à moi, ma asticot. Viens alors voir l'asticot là maintenant là. Viens voir. Je suis ma asticot, j'ai eu tout ce que tu n'auras jamais. J'ai eu le bonheur dans ma vie. J'ai eu tout. J'ai dit qu'un gros, là où tu es là, même si on dit que quoi, tu seras, tu sais que celle qui va apporter le sac. Tu apportes le sac de ta copine. Le film Bayan, avec qui vous êtes parti à Bala pour faire la prostitution.
Tous les gens, les milliardaires pétroliers là-bas, tu n'as pas de pétrolier. Pour Boza. Une Bozaïe, comment ça tu peux parler? Je suis une Bozaïeuse. Tu as Boza pour arriver ici. Au tabac, Boza pour arriver ici. Parce que j'ai la présence au moi. Il est arrivé en Italie. Sébastien. Quand Facebook était encore Facebook. Quand il mettait encore les machins comme ça, ça. Et moi j'étais à un groupe. On avait un groupe. Nous. On se déplaçait. Soit on se déplace à Paris. C'est moi. Les gens se déplacent à Paris. C'est moi qui reçois à Paris. Et après, on reçoit d'Italie. On était un groupe soudé. C'est autant qu'il a gâté le groupe là en baisant avec toutes les femmes. On avait un groupe. Avec Tartarada. Elles sont nombreuses là. On avait un bon groupe. On se déplaçait. De ce qu'on ne savait pas qu'il y avait papier, c'est autant. Il est venu. On s'est vu au Cameroun. Bah, il se cachait quand même. Hein? Parce qu'il a tué. Après tant d'années, il revient. Il a giflé, il a tué. Il a giflé, il n'a pas giflé la main comme ça. Il a fait comme ça une fille. Elle est au commun jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'Otam ne peut pas bagarrer. Il y a les gens comme Otam. Il te dose, hein? Il te tue une fois. Il t'humilie. Rentre chez toi. Hein? Tu te demandes de venir rester ici. Et t'attache 3 jours. Maman. Quand tu pars d'ici, je traite Otam quand je veux. Il m'appelle quand il veut. Si je veux Otam, il vient me baiser ici. Tu attends, non. Tu n'as pas ce que j'ai. Otam aime les femmes qui les dominent. Je suis une dominatrice. Je le parle fort, je fais ce que je veux avec lui. C'est un jouet pour moi. Mais malheureusement, il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu es un jouet pour lui. Non? Otam aime les femmes dominatrices. Demande à tout le monde. Je l'ai traité comme je veux chez moi. Ma fille le connaît. Il est rentré. Il est venu dans notre association. Il est parti, reparti en Italie, il est rentré avec Zingunda. Après, on s'est rencontrés, on est restés un peu ensemble. Et alors, il m'a enregistré, fais-moi l'amour. Je l'ai traité comme je veux, je l'ai foutu dehors à 5 heures du matin, dégage chez moi. Demande-lui. Il m'appelle, non. Je vous donne le mot de Sébastien. Sébastien, il n'a jamais joué avec lui. L'homme, quand tu dis charismatique. Non, Lou. Tu sais pourquoi je te domine? Le quand tu es avec moi, tu t'assois ici comme je veux. Tu fais ce que moi je veux. Tu parles moi si. Je te domine quand je veux. Ou tam. Ok. Quand j'avais dit, je fais moi un peu l'amour. Et c'est lui qui parle le téléphone. Il y avait les petits téléphones qu'elle a. Connais-tu people? Il dit que fais un petit jeu. Il dit, oui, autant, fais-moi la vie, s'il te plaît. J'ai joué un jour avec autant. Quand il venait chez moi avec des kebabs, il mangeait. Écoute ma fille. Maman, il vient dormir ici. Il n'amène même pas. Il nous amène pas le kebab aussi. J'ai dit à ma fille que laisse. J'ai préparé les pommes de terre là-bas avec le. On ne donne pas. Quand on te marie, même l'eau, il ne buvait pas chez moi. Donc il savait que quand il arrive, il va. On est là comme ça. Je n'ai jamais joué avec autant. Jamais. Même un peu. Il ne sait pas faire l'amour. Parce qu'il n'y avait pas de contact. Parce que les hommes que. Quand vous, à l'époque, on se draguait, on appelait tout ça comme ça. Mais quand tu vois une personne à part, autant ne sait pas faire l'amour. Parce qu'il faut. Il faut le commander. Autant bien sûr. Lèche-moi les doigts. Il lèche. Tout de toi. J'ai compris. Mais moi, j'avais une adolescente à la maison qui pouvait faire certaines choses. Autant a dormi dans mon lit. Monsieur Desgrémont. Lui et moi, on était dans la chambre. Oui. Mais ce qu'il dit avec lui, ce n'est pas un gigolo. Il ne m'a jamais demandé un franc jour. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit. Mais, même pas un gogoup. Couillait un peu. Il faisait comme l'escargot avec son gogoup là. Il dansait, oui.
au thème lui-même, si ça entre, c'est mou. Parce qu'il faut attacher. Il faut faire le bande, il faut attacher ce couille avec les cordes pour qu'il bande. Bah oui. On ne t'a pas dit ça. Tu sais, parfois, quand je voyais les filles avec lui, hein, je me dis, mais ce même gars-ci avec qui j'étais, ou parce que les menaces sont. Parce que moi, sans vous mentir, je n'ai jamais joué avec autant. Et je le dis. Je l'ai foutu dehors à 5h du matin. Mon mari m'a dit que fais les sorties. Lui aussi est arrivé que où c'est sa mère qui lui a dit qu'il faut qu'il sorte de ma maison. Il me dit, ma mère vient me dire que je sors d'ici. Il dit que mon mec m'a. Demande-lui. Mon mari dit que tu sors. 5h du matin. Je vais alors faire comme il dit que quand mon mari dit que tu sors comme ça, mon mari était à moi. Hein. Si il dit que tu sors parce que tu n'es pas bien pour moi. Demande-lui ce qui s'est passé chez moi. Je l'ai rencontré au Tama Château. Tu crois que j'ai fréquenté les milieux château où j'allais pas, moi? Moi, j'ai passé la commande, hein. On vient me livrer chez moi, d'accord? Nous autres, toi et moi, on n'a pas la même vie. Tu resteras toujours. La dernière fois que tu étais chez moi ici, tu me dis, hé, la veuve, est-ce que tu peux acheter les trucs, je vais laver la maison? Je t'ai dit quoi? Laisse. Parce que quoi? T'es une femme de ménage? Comment tu peux venir chez ta rivale? Et puis je dis non, ma laisse, il y a quoi ici? Après tout, elle a eu honte. Parce que ce que tu fais, tu entends? Tu viens chez la veuve joyeuse, tu veux qu'elle achète les produits pour faire le ménage. Parce que tu fais ça. Lolo, tu peux t'exprimer là où je m'exprime. J'ai pitié de toi. Lolo, je te dis que c'est un homme qui m'a amené ici à Amen. Avant d'arriver à Amen, j'ai voir comme ça au Cameroun quand même. Mais je n'avais pas une mauvaise famille. Je peux parler à qui j'ai tué mon mari. Je l'ai tué alors, ça fait quoi? Les cœurs, si vous pouvez les cœurs. J'ai killé mon mari, ça fait quoi? Moi, j'ai la tour Eiffel. Il m'a laissé la tour Eiffel. Au moins. Je ne me lève pas le matin, je trouve la forêt. Il n'a même pas le but. Je ne me lève pas le matin pour trouver un autre mur qui me regarde. Au moins, j'ai une vue imprenable. J'ai tué mon mari, oui. Moi, au moins, c'était mon mari. Toi, tu as tué qui? Où ta mère est partie? Pas un goût. Ah oui, il faut faire attention, hein. Pas un goût, hein. Il m'avait dit, Elisabeth, dis à ta copine que je ne l'aime pas, hein. Elle me force, tu forces tout. C'est mon groupe. Tu voulais enlever Jaguar. Et tu lui dis ça. Vrai ou faux? Vraiment celle-ci. N'est-ce pas? Je suis venu te dire que non. Il faut faire attention. Qu'on appelle. Et je lui avais parlé que j'ai affiné avec Gungoubé. Hein? Il dit que. Elle m'a dit que tu le coûtes trop, il n'aime pas trop et tout ça. Tu as lavé Ngoungoub ici là. C'était pourquoi? Mais il faut savoir pourquoi. Parce qu'il t'a rejeté. Il t'a rejeté rat. Mon beau aussi. Tu as oublié. Oublie-moi. J'ai tué mon mari. Oui, j'accepte devant les hommes, devant Dieu. Oui. Mais pourquoi je ne suis pas en prison? Au contraire, je suis dans mon petit bungalow. J'ai ma tour Eiffel. J'ai mon petit Ngada. J'ai mes enfants, ils ont leur vie. Tu m'as fait un coup bas. Je n'ai pas dit, tu as envoyé tes soeurs. Bagarre avec moi à Carcassonne. Franchement, tu es misérable, minable. Lolo, tu fais beaucoup. Toi et moi, on est assis quelque part. Tu peux parler fort devant moi. Hein? Tu es comme un enfant. Si je savais, je t'ai laissé. Quand on était là-bas avec Frédéric, là-bas, comment on appelle, à Lille. On a été tabassé là-bas, c'est moi qui a. J'ai dit que non, pardon, laissez. Mais si j'ai insisté, quand on ne parle pas avec Frédéric, si je me levais ce moment, on a été tabassé, parce que les guerriers, le fait. Je t'ai demandé que tu marches avec qui. Je t'ai dit, je marche, on ne marche pas seul comme ça. Elle me dit,
Mais toi, si tu marches, non, comme tu vois là, je me guérirai partout qu'ils sont assis. Hein. Je me guérirai partout. Quand je sais que bah, y a les filles qui me font comme ça, elles sont partout. Que me fait pack, même dans un restaurant, elles sont là. Toi, tu marches seul comment? C'est moi qui t'ai sauvé. Maintenant, tu dis que j'ai tué mon mari. Toi, tu as tué une sénégalaise là-bas. Au Gabon. Tu as parlé de ça. Ou t'as tué combien de personnes? J'ai jamais tué quelqu'un. Tu me parles de toi. Tu as vu? Tu viens chez moi. Est-ce que tu penses à faire le ménage? Pourquoi tu es une femme de ménage? Ben oui. Et j'ai rigolé. Je dis, vraiment celle-ci. Elle va aller chez ma copine, elle dit que non, laisse-moi souffrir. Qui? Ben oui. Donc, fais ta misère à vie. Et moi, je fais la misère à vie. Tu n'es pas star, tu n'es pas. Oh, la télévision. Nous sommes déjà en 2000 quoi. 2024, nous sommes en octobre. L'année finit déjà. Moi, j'ai pris la volée. Là, mon gars, je commence mon gars ici. Les gens qui t'encouragent là. On t'encourage uniquement pour que tu aies fait la recette dans votre soirée, ici à côté. Attention, hein. N'oublie pas que c'est là-bas qu'on te dose souvent là-bas. C'est là-bas que, comment on appelle ça? C'est une de Boston, t'as dosé, hein. On t'a fait comme ça. N'oublie pas. Parce qu'il y a une grande salle ici qu'on appelle la salle de Nanterre. C'est vrai. Là où on m'a gazé, là où Pangou m'a tordu le bras comme ça jusqu'à m'insulter que je suis né. Là où je me revanche, je dis que tu aussi, tu es un Pangou. La salle que vous voyez ici, méfiez-vous. En tout cas, moi, je serai assis ici, on gada, en train de vendre ma poisson. Ma fille, où est-ce qu'elle prend ses sangs? J'ai pris la tête hier. Moi, je paye mes dettes. Donc, ce qui est marrant, c'est que tu sais, quand tu parles de moi en riant, c'est éphémère, quoi. Non. Toi, ouais. Je connais ta maison. Non. Pourquoi? Je veux aussi connaître vos maisons. Tu es venu ici. Tu es resté ici. J'ai pris mes draps immaculés. J'ai posé ici. J'ai adoré ça. C'est moi qui, comme je sais souvent, c'est moi qui l'avais. Où elle ne mangeait pas. Elle prenait où c'est le lait de quoi. Où, 3 jours. Il y avait aussi les genoux de Caïs et Yenga. Elle ouvrait comme cela. Hein. Elle mettait autre chose dedans. Elle mettait. Après, elle faisait comme ça. La maison, si. J'ai dit que. Vous vous souvenez, allez, à cette époque-là, il y avait Coco Lago qui avait commencé les problèmes avec, avec celle que je n'aime pas là, la chanteuse là. Lady Ponce, Lady Mimban, le moment là, quand l'histoire était sortie, elle était ici. Ici. Pour te faire partie, je te donne combien? 475 euros. Parce que tu viens pour prendre un truc, tu dors. Un jour, 2 jours, 3 jours, je dis attends. Lady Ponce, voilà. Elle était ici. J'ai dû mentir que non, moi je vais sortir, je vais. Parce que moi je l'attendais pas. Et moi j'allais travailler. Et la bordel était là chez moi sous scène. Mais comme ma maison était tellement sale, comme vous dites, pas rangée et tout, il fallait filmer aussi. Tu sais tellement que toi et moi, en fait, tu les problèmes chaque temps, chaque temps. Tu es venu chez moi, tu m'appelais Maastico. J'étais traité comme une reine. Tu sais pourquoi ta vie tourne? Ça va toujours tourner. Ma vie ne tourne pas. Moi, je rêve d'aller en Australie, au bateau, pour voir les kangourous. Ton rêve, c'est quoi? Est-ce que tu as un rêve de l'eau? Ton rêve d'être sous le baptême, porter les sacs de filles. Oui, les jeunes filles baignant, les amotés, tout ça. En tant que mon rêve, c'est ça. Jamais. Jamais. Je dis que le peu que j'aime,
Je dis que le peur que j'ai, tu ne ramènes pas ça. Grande une belle fille bamiké, grande taille. Moi, mais j'ai mes petites fesses, dures comme les ciment de l'eau. Je tourne sa nerf, tout, 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 tout. Le résultat sort. Ta part qui est plat, comme le café de la dame, voilà, ça donnait quoi? Hein? Racoleusera ton âge. Même les mecs ne vont même plus avec toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aucune personne de personnalité. Il n'y a rien jusqu'à quand? Je m'en fous. Vous allez tourner, vous tous couillez en couille. Vous allez venir ici au Ganda. Le Ganda, vous ne pouvez plus dire que ça. Ni ma mère, ni ma mère, ni ma mère. Four by, four by, là, four by, ici. Vraiment, c'est ici. Que j'ai connu au temps, c'est un homme. Au temps, t'as attaché pour soulever ces petits fantasmes sur toi. Un homme qui t'attache devant la télévision et qui te pourquoi tu juges et pourquoi tu piques l'héroïne. Ça, c'est un homme, ça. Maman, qui m'a fait ça? Mouf. Mon temps. Ça, il s'appelle Sébastien. Eh oui. Je l'ai traité comme je voulais. Autant je t'aime, autant je t'aime. Et alors, mais ça fait ce que non. Ça m'a vu pour des chapaillers que je l'aime, que je veux mourir avec lui. Mais je m'en fous. Mbap. Idiota. J'ai pitié de toi, l'eau. Mais dis-moi, pas j'étais une fille d'aqua, mais tu n'as jamais été dans une boîte d'aqua avec moi. Quand tu rentres dans une maison, la première chose, c'est que tu as les trucs de ménage là, comment tu as un seau, un balai pour nettoyer du mal. Ah bah là, c'est entré dans ta tête, hein. Bah oui. Ok. Tu le cœur, c'est un nom. Tu le cœur, non? Maman. Le téléphone, si maman. Tu vois, papa. Avant que je ne te téléphone, ne te t'éteins pas. Vous n'avez pas écouté. Je dis donc, vous aussi. Quand vous regardez les gens, maman, je suis rien. Maman, j'ai mes deux enfants métis. J'ai quand même mes enfants métis que j'ai quand même fait avec les blancs. Et alors? Vous avez quoi? Alors, il n'y a que toi qui mets, hein? Les bordels qui regardent là, vous n'avez pas de quoi. Mais il faut regarder ma vie, il faut regarder la vie de ces femmes-là. C'est la vie, c'est Dieu qui. C'est, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je me suis trop focalisé que je vais récupérer l'argent de la famille. C'est pour ça. Je suis dehors là. Vous voyez qu'on est gorge chaque année. Oh, une bagatelle a été tuée. Oh, on a acheté une bagatelle. Oh, on est gorgé. Toujours vous. Vous savez ce que vous faites. J'arrive. C'est l'agneau de Dieu. Maman, je fais comment aujourd'hui? Je ne sais même pas les commandes aujourd'hui. Pourtant, le livre que j'avais fait. Petit commande. Elle est une chinelle plus commune qui. À fond, tu ne me connais pas très bien. Tu sais, elle vient. Le caractère est forgé quand tu es petit. Vous avez entendu mon histoire ici à Paris, avec moi. J'ai un sale caractère, vous ne pouvez pas savoir. Elle parle à qui? Moi, je ne peux pas m'en faire. Ça, c'est le vent qu'on m'a mis là-bas, je crois. C'est un gardien, non? Les gens qui veulent venir, on garde, on boit le vent, ils sont gardés, on peut payer, on boit, non? Le gardien est ouvert, hein? Il y a un assise de gardien ouvert. Donc, il y a à boire. Je dis, hein? Mais je vous dis une chose, c'est que moi, pas ce que nous avons qu'on dit là. Voilà, côté femme-ci. Si tu es efficace, ah, comme je suis là,
Bon début de week-end, bienvenue en Gandé. Le Gandé est ouvert, venez boire le vin. Il y a les bières, il y a la nourriture, il y a tout. Écoutez, alors, le téléphone du Gandé, il m'a déjà fermé là-bas, il n'y a même pas la batterie, vraiment. Mais voilà. N'acceptez jamais, peu importe votre situation, vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Peu importe qui vous êtes, votre situation, si vous avez quand même un peu eu les moyens, même si vous n'avez plus rien comme moi, n'acceptez pas quand vous manquez de respect. N'acceptez pas. Moi, je n'accepte pas quand manquez. Parce que quand je regarde une personne que je n'accepte pas. Même si je suis morte, je veux toujours avoir mon statut. Oui. Avec les bonnes manières, tout, n'acceptez pas. Quand vous réduisez à zéro, restez tel que vous êtes. Il y a certaines que elles ont été, ne sont plus, elles dédiées, les petits souris d'aider, jamais. Même si je ne suis plus, je montre que je suis. Du coup, j'ai mes 50 euros, je m'en vais un peu boire un petit café dans une salle d'été, je m'en vais un peu boire dans le même monde. Oui, la vie comme ça, il y a les hauts et les bas. Mais il ne faut pas s'abattre. Le bon Dieu est là, il est avec nous. C'est parce que parfois, je plais quand je vois comment. Je dis que même si vous portez vos faux sacs là, je m'en fous. Je suis madame de Clément. J'ai vécu une belle vie. J'ai été ce que je suis. C'est fini. Ce n'est pas grave. Mais je ne suis pas quand même dehors. Je mange. Je dors. Même si je commande à Facebook. Ce que je dois commander. Dieu a dit que. On trouve la porte. Tu demandes quand tu donnes. N'oubliez pas que dans la Bible, on parle toujours des veuves. N'oubliez pas. Vos mamans sont des veuves. Appuyez pas dans tout le monde. Elles ont perdu leur vos pas. Vous ne connaissez pas ce que c'est. Je vous soutenais pas. De toute façon, hein, soit vous serez veuve, soit vos maris. Mais l'homme, il s'en fout. L'homme va épouser sa cousine. L'homme va épouser sa profite tout de suite. Mais vous alors. Vous savez ce que c'est qu'être veuve? Vous savez pas ce que c'est. Hein? C'est un karma. C'est un problème. Hein? Vous qui êtes là. Hein? Même si c'est que le mari vient de bourrer là, qu'elle prend l'argent. Hein? Elle dort bien, elle respire bien là où elle dort là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Dépasser qu'un village, je suis avec elle. C'est toi qui vas parler avec elle là-bas, moi je suis avec elle. Je parle de ma part, ça se comme ça se moi je parle de ma part, mon cas. Le cas des gens là, je le connais parce que toi qui es là-bas avec les problèmes, c'est un peu. Donc, bien, non, Patricia. Ça fait des années que tu n'as pas eu de bonheur. Je veux te délivrer aujourd'hui. Oui. Que le bon Dieu te délivre. Que tu puisses avoir ton étoile. Tu trouves un homme. Que tu ne fais que tourner. Si ce n'est pas autant. Après, ça serait un fondja. Ouais. Bon Dieu. La mamie des miracles, fais un miracle. C'est ce que tu as fait, ma part de miracle. J'ai ouvert mon gada. Fais un miracle pour l'eau. Je prie pour elle. Bien-aimé-leur, Patricia. Bien-aimé-leur, Patricia. Que tu vois un beau gosse. Qui ressemble au temps. Oui. Qui ressemble au temps. Ouais. Je la désenvoûte. Qu'elle ne pense plus au temps. Qu'elle ne passe plus en fondja. Qu'elle cherche quelqu'un d'autre.
un vieil allemand. Je pense plus autant. Pour ça, je casse le bâton. La main est partie. La montre est partie. Fondier est parti. Parce que voilà les trois ans de la diaspora que toi tu. Non, viens, viens. Tu ne peux pas partir. Non. Ouais. On désavoue tout. On désavoue le loup. À partir de maintenant, tu ne passeras plus à autant. Parce que ta vie, c'est autant. Autant, lui, il y a mon là-bas avec la veuve joyeuse. Toi, tu es là, tu souffres de ton côté. Voilà. Et nous, c'est fini. Laisse les couples là vivre en paix. Le chambre qui est là, le chambre va se rompre aujourd'hui. C'est trop là. Comme ça. Oh, non, qui t'attache. Hein? L'école était comment? Laisse un peu tranquille. Laisse au temps tranquille. Laisse au projet tranquille. Tu ne laisses pas rien. Tu ne peux pas te soulever dans ma mamite. C'est vrai ce que j'ai fait là. Laisse-le. Désenvoûte-toi. Oublie-les. Tu vis que par eux. Ta vie, c'est eux. Tu as choisi un camp. Va avec un camp là-bas dans les ténèbres. Laisse-les. Tu dors, tu penses à la veuve joyeuse. Autant avec, autant avec, autant. On ne m'a jamais fait quoi que ce soit. Cette mamie qui doit boire. Voilà. Maintenant, c'est bon. On est quitte. Que Lolo laisse autant tranquille. Qu'elle laisse présent tranquille. Bon, c'est mon groupe. Qu'elle laisse Fondia tranquille. Oui. Voilà. Elle est désenvoûtée. Parce que l'envoûtement, c'est quelque chose, hein. Comme c'est elle qui allait envoûter au dame, en monte et en fondia. Parce qu'il faut regarder, elle tourne. Maintenant, elle est désespérée parce que son show, Maëva Image est mariée, là-bas.
Voilà, on va mettre le morceau. Mon Dieu, je viens devant toi te dire que je m'excuse d'avoir humilié ma soeur afin de laver cette corde-ci. Donc je te remets cette corde-ci. Je ne veux plus jamais l'humilier. Oui, c'est ma soeur, même si j'ai fait ce qui est fait est fait. Donc je t'envoie tous les problèmes de ma vie. La vie de l'enfant, j'ai que ça part dans cette mamite. Parce que les gens disent que la fausse joie est malheureuse. Je ne suis pas malheureuse. C'est moi. C'est ma faute, moi-même, mes erreurs que je fais. Donc, l'enfant de toi et moi n'est pas pareil. Moi, je te pardonne. C'est ce que tu as fait dans ma vie. La corde ici, je la mets dans cette mamie pendant 7 jours. Et j'ai fait l'alliance avec toi, mon Dieu. Pipi, bah oui, je peux quand même l'appeler comme ça. Hein. Lolo, si tu es une femme, si tu parles encore de moi, tu es là comme mon mari que tu n'as jamais vu. Quand mon mari est mort, Lolo, tu étais ça, après tu n'es jamais venu chez moi. Tu parles de moi à travers à ce que tu penses. Tout le monde n'a jamais traîné nulle part ici à Paris. On s'est peut-être connu, on s'est peut-être écouté un peu parce que nous sommes les blogueuses. Mais tu connais la vie de tout le monde. Les gens te reconnaissent la vie de tout le monde et tout et tout. Oui. Comme j'ai décidé que je n'insulte plus le monde des gens, je vous dis une chose. Je ne me connaissez pas très bien. Je n'ai pas envie d'entrer encore dans cette histoire. Parce que ça va faire quoi? Ça va encore arriver, c'est une chose. C'est que moi, je suis des bons, je peux. Ce n'est pas grave. Voici la corde ici, que je bouille ici. Dans l'eau sacrée d'une dame de Jésus. La corde ici va devenir noire. Ça devient bien noir. Je l'enlève, je jette. C'est pour laver. Encore, je ne suis rien. N'essaye plus jamais de parler de mon mari. Je n'étais pas là quand j'ai tué mon mari. Je ne connais pas ma vie. Demande au temps que je suis pour lui. Toi, tu es là. Machin, tu parles à qui? Je suis madame de Grémont. J'ai mangé dans les plus grands restaurants, j'ai voyagé à first class, j'ai quand même eu ma petite vie, même si aujourd'hui je me trouve ici, Lolo. Tu as dit à Reims, moi je suis ici, je bois ma tour Eiffel tous les jours. J'ai l'air. Je bois mon Nescafé. L'air passe. Parce que Dieu m'a béni. J'aimerais bien te voir à ma place. J'ai tout eu. Le jour et le lendemain, je te trouve. Tu es 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Je te trouve dans 55 mètres carrés. Quand on vit avec les hommes, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, moque-toi de moi. Je ne pourrais même pas te regarder avant. Moi, je lave ton corps, ton esprit de vengeance. Moi, la corde ici. Ça va, la corde ici va devenir noire. Là encore, Jack, tu vas voir. Moi, je te lave. L'esprit de corps qui t'impose sur toi. Tu vois un mari. Tu parles à une dame qui a voyagé dans le monde entier, en face de classe, même si je suis devenu comme je suis devenu là. Je suis venu à Facebook, hein, parce que moi, on m'a choisi. Comme on a choisi les restes là. On m'a choisi parce que j'étais, je fais des beaux sacs chanés. J'étais comme les filles là, comme on te là. Mais moi, je faisais mes petites vidéos, mes petites photos, toujours impeccables, les perruques impeccables et tout. Et moi, je ne savais pas. On m'insultait, on m'a lavé, gratuitement. Facebook est fini. Quand il y avait la rage à Facebook,
Pour mon sang authentique. On m'a déchiré jusqu'à ce que j'avais des enfants noirs. Oh, j'ai pleuré. J'ai dit que, on m'a fait ça, Dieu. Je dis non. On vous choisit comme ça. Hein? On m'a donné veuve heureuse, veuve joyeuse. J'ai eu tous les noms. Et ma crapaud. On me filmait quand il prenait le débat. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire à Facebook? Les bagues et tout, pourquoi? C'est mes canons. Quand je regarde les petits, les gens qui viennent m'attaquer là, vous êtes malade ou quoi? Vous connaissez moi? Moi, j'ai été attaqué ma propre famille. Pour rien. Parce que bah, mon mari, moi, je ne mettais que, je ne mettais que la marque. Moi, je ne savais pas que la Facebook ne faut pas me montrer. Moi, je n'avais que la marque. On m'a vous choisi un jour. On m'a fait ça. Mes vidéos nous sortent. Ça passait. Zim, 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 zim. J'ai parlé. Le gars vient parler de quoi? Moi, mamie, ma père. Maman. Nous sommes comme un triangle. Demandez à Serge Tamba. J'ai parlé. Quand on a mis ma part, qui de vous était au courant? Ça restait moi. Je suis resté tranquille. Dès qu'elle voit ça. Bah ouais, bah bouffe. Nous tous, on est passés au billard. Comme elle était belle là, on m'a fait ça, Dieu m'a lié la vie. Toi, tu viens parler des malades, tu viens parler de quoi ici là? Non, pas nous, du coup de commencer, mais tu viens parler des malades, il ne fait que quoi? Mais fiez-vous, hein? On peut vous choisir, vous que. Il y a certaines filles que je vois, elles mettent des photos, je suis à Monaco, je dis, maman, le jour on va vous arrêter, vous allez vous trouver à Congo, ça va. Attendez, moi aussi j'ai filmé depuis des années, moi j'étais star, on me filmait partout, quand je mangeais, tout ce que je faisais, j'allais aux toilettes, on me filmait partout, moi je ne savais pas que, c'est un truc comme ça, mais attends, c'est toi qu'on ne sait que je m'en fous. Je ne connais pas ces, moi, je ne connais pas ces gens-là, donc je ne veux pas les répondre. Ça, c'est 4 ans comme ça, c'est après que j'ai commencé à répondre. Le long fondant. Te voici ici que je tourne encore bien. Voilà la corde que je te souillé avec. La corde ici, je te souillé plus. Comme je te souillé plus avec la corde ici, toi aussi ne prononce plus mon nom. J'ai tué mon mari. Et de deux, fais-toi rare. Et de deux, continue. Laisse les maris détruits. Ne fantasme plus sur le président Mouto. Ne fantasme plus sur Otam. Ne fasse même plus sur Fondia. Cherche ta vie. Et je vois derrière là, il y a une tortue ici. La tortue. Laisse les hommes détruits tranquilles. À ton âge? À ton âge? Cherche un âge, les noms, hein? Moi, je vais mourir ici, dans mon bandage ici. Depuis des années, on m'a mis droit ici. Les gens m'attaquent, ils partent, parce que tu es avec moi. C'est Michel, quand j'ai l'arrêt, moi. Toi, tu es où? Tu lui as un appartement, je ne sais pas où ça rince. Je suis en tête de ma simple. Laisse. Cherche ta vie. Arrête de courir derrière les gens. Moi, je finis avec toi. Je ne suis plus moi dans les problèmes avec toi. Donc, toi et moi, on est en paix. C'est parce que j'ai pitié de toi. Parce que là, moi, c'est là, c'est qui a pitié de moi, Lolo. Tu peux avoir même les tiers que j'ai. Tu peux avoir les tiers que j'ai, Lolo. Je ne suis rien. Parce que tu parles bien, Lolo, j'ai dit que. Rien que d'avoir le caractère que j'ai, tu n'as pas. Le charisme que j'ai, tu n'as pas. Toujours voté comme on dirait une vieille, une vieille sorcière. Mais déjà, change ton habillement. Hein. Change ton habillement, non? Tu t'habilles comment?
Ah bah oui. Bon, Loulou, voilà tes codes alors. Les cordes ici, je les enlève dans une semaine. Donc là où tu es là, quand tu vas tuer m'insulter que j'ai tué mon mari, et continue encore au nom de Dieu. J'ai tué mon mari ici, et je vois la tour Eiffel. Donc te voici ici. Moi je te masse. Je te masse que ta vie marche. Arrête de rêver la vie des gens. Moi beaucoup aussi. Ne rêve plus la vie des gens. Laisse les gens vivre leur vie. Cherche ta part. Otam, Otam a fait ceci. Otam, c'est que je le baisse quand je veux m'en résoudre. Si Otam savait baiser, si Otam savait faire l'amour, au nom de Dieu, ce qui ne veut pas te regarder, tu me connais. Je suis une chienne au lit. Et c'est moi qui commande, et c'est moi qui monte. Toi, on t'attache comme la chèvre, comme le cabri. Tu as compris. Regarde-moi déjà comme ça. Là où une fille bêtise, ça soit sur son ouzou. Tu as tiré là comme un clavier, j'attends. Non. Il y a même, comment il appelle Stéphane. Stéphane, ça, Stéphane, lui, c'est un dominatrice. Un dominateur, oui. Stéphane, pour te faire. Il tape, il tabasse, hein. Donc, tu dois laisser Otam tranquille. Tout le monde, nous tous sommes les cadavres dans le truc. Je te masse encore. Tu arrêtes de dire que j'ai tué mon mari. Je ne connais pas la mort de mon mari. Comment ça s'est passé? Mon mari avait un cancer. Il est mort. Ici, à l'hôpital, machin. Poche. Tu n'étais pas là. Tu étais sur la vie, lui. Donc, je te tourne bien. Oui, mais, on dit que j'ai tué mon mari. Donc, voilà, je veux dire qu'elle arrête de dire ça, sinon ça va se passer. Parce que c'est pas bien de dire ça. Vous savez pas ce qui se passe. Maja! Donc, Loulou, j'ai fini avec toi. Moi, je te souhaite que du bonheur. Parce que accuser quelqu'un, comme tu accuses là. Je n'ai jamais dit que j'ai. Que le truc de ta mère est sorti ici à Facebook. J'ai répété. Mais tu n'as jamais vu, tu répètes ça. Tu parles de mes enfants. Tu parles de Namangwe. Tu parles de moi. Je n'ai jamais fait à quoi avec toi. Je te connais chez Mathilde, quand tu lavais le sol chez Mathilde, je lui dis. Même si jamais tu l'as vu avec toi. On s'est vu ici quelques temps. Tu n'es pas mon ami. Ce que tu racontes sur moi, c'est ce que les gens disent sur moi des réseaux sociaux. Tu ne connais pas mon frère. Tu ne connais rien. Tu racontes les choses pour que ta vie soit racontée. Oui. Donc, moi, je te laisse avec la paix. Moi, tu racontes ça. Dans les cordes, là. Tu ne peux plus jamais. Je vais t'insulter avec les cordes. Plus jamais. Donc, je me délie ces cordes-ci. Parce que quand j'avais des cordes ça ici chez moi, ça pouvait aussi m'attraper. Donc, je te laisse avec la manche des cordes. Continue. Mais je te donne une semaine. Essaye encore de parler de moi, Loulou. Tu vas voir la sorcellerie des Aoussa. Je vais lire le Coran devant toi. Tu vas comprendre. Vous connaissez la vie des gens. En tout cas, moi, il a dit, laisse les gens tranquilles.
Laisse Amo tranquille avec Jaguar. Laisse Otaku tranquille avec sa femme. Laisse Tronja avec Marie. Cherche ta part. Ta vie, c'est parler de mon erreur. Hein? Otaku Saki. Je n'ai jamais joué avec lui. Il m'a dit qu'il n'est pas chez moi. Même pisser, il fallait qu'il aille pisser dehors. Il t'a pas dit. Hein? Il t'a pas dit. Hein? Et t'as fait toi là, tes enfants dehors. Tu as pris toi avec la mamie de couillant, couillant. Tu vas te poser chez ta soeur, Félicité Fosso. Elle a vu la mamie de noir. Elle l'a jeté dehors. Hein? Pour faire l'enfant avec qui? Au tableau. Vous faites vos choses, vous croyez qu'on n'est pas au courant. Donc, j'ai dit. Comme tu as la gueule là, moi, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas, j'ai prié. Au nom de Dieu, tu vas me dire, j'ai dit encore un jour que j'ai tué mon mari, Lolo, je te fous en prison. Oui. C'est parce que c'est. Il faut d'abord être marié, hein, avant de tuer quand même. Moi, j'ai été marié, j'ai tué. Continue. Bon, j'ai déjà dit. Moi, j'ai déjà remis tes cordes. Continue avec tes cordes. Je te demande de laisser les hommes de tuer tranquille. Cherche ta part de mari. Essaye seulement. Tu as la gueule, non? Au nom de Dieu. Dis que j'ai tué mon mari. Tu étais là quand je l'ai tué. Tu sais pas ce que c'est. Essaye encore. Dit. Moi, je suis depuis tes parents. Tu es maintenant mon mari. Et je dis à mon mari. Essaye encore. On doit te rabattre. On va directement. Citation directe. Ta mamie ici. Laisse-moi tranquille. Comment tu veux entendre que j'ai tué mon mari? Et parle encore, je t'ai enfermé ici. Parle encore. Je dis que. Hello. Parle encore. Vous voyez encore sur les mamans des gens là, sur les étangs. Non. Toi, tu fais des tirettes. Tu insultes. T'insultes. C'est là. Que j'entends, que tu as dit que Laurent Desremonts, tu l'as connu? Oh, monsieur Laurent Desremonts. Et demande mon mari, attends. Hé, Laurent. C'est mon mari, Laurent. Mon mari, Laurent Desremonts, tu as vu? Oh, homme gentil, jeune et beau. Montre ta part de blanc, on peut en voir. Voilà ma part ici. C'est mon mari. Je vais mettre ça bientôt en haut. Je vais aller mettre ça dans ma maison à ça. Il m'a donné un nom. Il a donné un nom à mes enfants. Les bâtards que tu dis. Il les a reconnus. Elles ont un nom d'écrément. Et la famille les a reconnus. Elles ont tout. Elles sont bien. Bien élevées, bien éduquées. Tu as vu une de mes filles un jour? Jamais tu ne les connais même pas. Mais tu les insultes. C'est la fin. Essaye encore. Ce que Dieu fait bon. Continue à insulter mes enfants. Des belles métisses. Et ouais, t'as pas. Bon, mes fesses font que des métisses. Oh, même le noir, t'as pas. Même le noir, les fesses ne font pas pour toi. Mais rien. Tu n'as rien. Voilà ta soeur qui a baisé avec ton ancien chaud pays. Ton copain. Pour te faire chier. C'est pour ça que je ne peux pas voir les enfants de ta soeur. Attends. On va poser ça là-bas. Tu es super question. Encore, tu es là. Merci. Quoi? Allez, pardon, prends-moi pour ça. Hein? N'est-ce pas ça, non? Donc, mes soeurs, je vous laisse. Je veux dormir parce que là, je vais faire les tout et tout ça. J'ai réglé un problème avec ma soeur.